Il agira en mon foyer, en Jésus il agira. Il agira en mon succès, en Jésus. J'étais pas là. Vous remarquerez peut-être par vous-même que mon visage il est un peu changé. J'ai fait une tension oculaire, bref, et après suivi d'autres choses. C'était pas facile, c'est vrai. Le découragement et la démission ne réconfortent que ceux qui aiment la facilité. Le découragement et la démission ne réconfortent que ceux qui aiment la facilité. Il y a un mois, je m'adressais à vous sur cette tribune-là pour vous témoigner ma gratitude. Et je reviens pour vous dire, ça va mieux, je suis là. Le découragement et la démission ne réconfortent que ceux qui aiment la facilité. Ça n'a pas été facile, mais avec vous, ça a été mieux. Avec vous, ça a été mieux. Je voyais vos commentaires. Sylvie Ayavitch, bon rétablissement. Ayavitch, on t'encourage. Ça m'a donné la force de revenir. Ça m'a donné la force de trouver encore des scénarios plus puissants, de vous faire marrer, de bref, ce que vous voulez. Ça m'a donné la force. Bien qu'il y avait d'autres commentaires, oui, Ayavitch, repose-toi, nanani, nanana. Bon, écoutez, ils ne comprennent pas que c'est vital pour moi. J'ai besoin de ça pour vivre. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire, c'est spécial aujourd'hui pour vous, que dans la vie, battez-vous quand vous avez un rêve. Battez-vous, protégez-le. Battez-vous. Et faites des choses bien. Soyez honnête envers vous-même. Ne vous mentez pas. Et acceptez qui vous êtes. Acceptez qui vous êtes. Ou acceptez qui vous êtes devenu. Je n'étais pas comme ça avant. Mais j'accepte qui je suis. Voilà pourquoi je n'ai pas honte d'exposer mon œil. Yaya Vicenzo sort de loin. Yaya Vicenzo sort de loin. Mais pour vous, je serai toujours là. J'ai été victime de l'empoisonnement. Je vous le dis. J'ai été victime de l'empoisonnement. Et je sais qu'il a fait. Il venait chez moi, il mangeait avec moi, il riait avec mes enfants et tout. Mais laissez-moi vous dire, comme vous dites si bien l'adage, comme le dit si bien l'adage, ce qui se voit sur le visage n'est pas le reflet de ce qui est dans le cœur. Il sait ce qu'il a voulu faire. Mais aujourd'hui, je suis là, debout. Mon ami, tu me regardes? Regarde-moi, je suis debout. Yaya Vicenzo est là. Donc, battez-vous dans la vie, s'il vous plaît. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne valez rien. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes rien. Vous valez quelque chose. Le number one, je suis là, je continue à faire mes vidéos. Mais attention à vos amis. Attention à vos fréquentations. Mon foyer, en Jésus, il agira.